Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Les trois agents qui vont s'affronter cette semaine à Caen sont Julien, cool attitude en toutes circonstances. Emmanuel, professionnel et passionné. Marie, spontanée et déterminée. Il y a deux semaines, les trois chasseurs d'appart ont découvert les clients du jour. Et une fois n'est pas coutume, c'est sur la plage à proximité de Caen que l'on retrouve nos deux passionnés de surf. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 27 ans et je suis commerciale. Et moi c'est Clément, j'ai 30 ans et je bosse pour une marque internationale de glisse. Bienvenue chez nous, c'est notre terrain de jeu. Cela fait maintenant plus d'un an que Stéphanie et Clément vivent de ce qu'on pourrait appeler... Dans un monde parfait, on aimerait habiter à la mer. Mais c'est pas possible, donc une jolie maison près de la mer, ce serait le bonheur. Et bien en plus, chez nous, c'est trop petit, c'est trop étroit, trop étriqué. Mais venez, on va vous montrer. Stéphanie et Clément vivent dans ce 30 mètres carrés, mais aujourd'hui, vivre à deux dans un si petit espace devient compliqué. Hé hey Steph, regarde la nouvelle. Oh, elle est canon. Comment est-ce celle-là? Ouais, enfin, tu veux qu'on la mette où, Clément? Je sais pas, on va essayer de trouver. Il y a urgence à déménager parce que on a vraiment plus de place. Et du coup, on a toujours plus de matériel. Pour qu'un couple dure, il faut de l'espace. Alors aidons nos deux tourtereaux et aidons-les vite surtout. Et sinon, à quoi doit ressembler ce cocon? On recherche une maison lumineuse, plutôt moderne et surtout proche de la mer. Avec une surface habitable de 80 mètres carrés minimum. Il nous faut un garage pour pouvoir y mettre tout le bordel. Une cuisine ouverte, deux chambres et un bureau et beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangements. Un jardin pour pouvoir faire un potager. Et surtout, pour qu'Eclipse puisse venir vivre avec nous. Faute de place, Eclipse, le chien du couple, a trouvé refuge chez le papa de Clément. Mais ils n'ont qu'une hâte, retrouver au plus vite leur compagnon à quatre pattes. Et le jardin d'Eclipse, on le met où alors? Nous recherchons dans les villes de Merville-Franceville, Varaville, Gonneville-sur-Mer, Dives-sur-Mer, Cabourg, enfin la mer quoi. Et le tout pour un budget de... 195 000 euros. Les agents, il faut absolument que vous nous trouviez une maison près de la mer. Il y a urgence pour notre couple. Oh, pitié. Ce sont des primo-accédants et je trouve que leur budget est serré, serré, serré. Donc si j'ai un conseil à donner aux chasseurs, c'est de leur trouver un bien avec des travaux et ça devrait passer. Sinon, ça va être compliqué. Chasseurs d'appart à Caen, veille de finale. Une chose est certaine, nos trois agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Stéphanie et Clément. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Une réalité immobilière. Nos trois agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et les clients aussi. On regarde. Bienvenue à Caen, ville portuaire et chef-lieu du Calvados. En son centre, le château de Caen, érigé en 1060 par Guillaume le Conquérant. Caen est aussi connu pour être la ville aux 100 clochers. Mais pas le temps de faire du tourisme, car les agents ont un seul mot d'ordre cette semaine, urgence. Et c'est Marie qui va présenter en premier son bien. Marie a 24 ans et cela fait maintenant un an et demi qu'elle est dans l'immobilier. Ne sachant que faire après ses études en communication, elle prend une décision qui a changé sa vie. Un jour, j'ai passé le bas de porte d'une agence immobilière et puis je me suis présentée au culot, sans CV, sans rien. Et puis j'ai de la chance, j'ai été prise. Donc je me suis lancée, ça m'a plu et j'ai décidé de me mettre à mon compte après. Aujourd'hui, Marie, c'est... Je suis tout terrain. Je suis agent tout terrain, je fais tout, n'importe quand, il n'y a pas de problème. Je prospecte tous les jours. Je fais du porte-à-porte ou du boitage et voilà. Faut se forcer à le faire, mais on rencontre des gens et les gens sont super sympas ici, donc c'est agréable. Et Marie travaille de chez elle et en famille, car elle bénéficie des conseils de son papa, Jackie, passionné d'immobilier. Dis-moi ce que t'en penses de cette maison. Elle a l'air pas mal, non? Écoute, ça me semble pas mal du tout, ça. Mon papa était dans le commerce et on a toujours eu des connaissances dans l'immobilier. Donc voilà, c'est quelque chose qui plaisait à mon père et du coup, il m'a énormément soutenue quand je me suis lancée dans ce projet-là. Ça nous rapproche encore plus, c'est chouette. Et pendant deux semaines, Marie a remué ciel et terre pour dénicher le bien idéal de Stéphanie et Clément. Ah, elle est ouf, cette maison pour Stéphanie et Clément.
je sais qu'avec la taille de la maison, je vais peut-être pas gagner des points, mais enfin bon, le secteur près de la plage, je vais vraiment jouer là-dessus. Et puis, je crois vraiment en moi sur ce bien-là. C'est à Merville, Franceville, plage, dans cette maison de 50 mètres carrés, que Marie a décidé de répondre à l'urgence du couple. Waouh, c'est tout neuf. C'est ça. Une visite qui ravit Stéphanie et Clément. Super sympa. Et c'est super moderne. Ouais. J'aime beaucoup. Moi, j'ai vraiment pensé à l'urgence. Il n'y a rien à faire ici. Ils prennent leurs valises, ils les posent. Mais le prix de cette maison leur permettra-t-il d'emménager sans délai? Cette maison est au prix de... Bonjour. Bonjour. Enchantée, Marie. Stéphanie. Enchantée. Et Clément. Vous allez bien? Très bien. À seulement quelques mètres de là, nos agents ne vont pas louper une miette de cette visite. On y va, vous me suivez? Ouais. Allez, c'est parti. Sur la plage abandonnée. Alors, où on est là? Bah, on est à la plage. On est chez vous. On est à Merville, Franceville. En plein sur mon spot. Marie, la journée plage, c'est pas le temps idéal là. Non. Oui, mais comme on dit dans l'immobilier. Visite pluvieuse, visite heureuse, hein. Mais la vraie raison de Marie sur cette plage est tout autre. Donc on est exactement 200 mètres de la maison. Et bah là, on est au top, ouais. Marie, elle tape dans le mille avec le secteur. Bravo Marie. Bravo Marie. Alors notre agent nous a dit que la maison était à 200 mètres. Bon ben, il n'y a plus qu'à y aller. Bon allez, c'est parti, on y va. On tue. C'est un bonheur vraiment de venir à pied de la plage jusqu'à chez soi. Bon alors, Clément, Stéphanie, c'est ici qu'on s'arrête. D'accord. Donc je vous présente la maison. Elle est Mimi Choupinette et en plus elle est en bon état cette maison. Je vous rappelle que Stéphanie et Clément recherchent 80 mètres carrés et je crains que la maison soit un peu petite. Bah c'est très mignon, moi j'aime beaucoup. C'est mignonnet, c'est voilà. Cocooning, on sent chez soi. C'est celle-ci la maison? Mais c'est une maison de poupée. J'aime toute beaucoup, mignonne. Même l'extérieur, il n'y a rien qui est... Laissez au hasard, c'est mignon. Bon, bah c'est parfait. On va la visiter? Ah, c'est parti. J'espère vraiment que le reste de la visite va se passer comme ça, parce que là, je suis au top, je suis contente. On croise les doigts. Et on les décroise aussitôt pour ouvrir la porte de ce qui pourrait bien être la future maison de nos jeunes amoureux. Bienvenue chez vous. Entrez. Mettez-vous à l'aise si vous voulez. Moi, je vais enlever mon manteau. C'est bien d'avoir un endroit où accrocher son manteau. Une astuce, moi, ça serait de créer une entrée en achetant un meuble console. Vous voyez, pour poser vos clés, par exemple. Et le tour est joué. Alors, votre première impression? Eh bien, c'est super sympa et c'est super moderne. Là, vous avez la pièce de vie principale. D'accord. Séjour, salon. C'est agréable. Très bien. Ah, le salon, là, il est pas très grand, là. La première impression, là, quand on arrive, c'est waouh, c'est tout neuf. C'est ça. On peut poser les valises et se caler dans le canapé. On c'est met exactement la télé. Ce que j'allais vous dire. Là, ils sont sous le charme, c'est bon. Comme vous êtes dans l'urgence, que vous voulez déménager très rapidement, comme tu dis, on peut prendre ses valises, ah ouais, on peut exactement. S'installer. Voilà. C'est l'avantage de cette maison. Ah non, j'adore. Enfin, moi, pour l'instant... Très bien. Hop, 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 on ne s'endort pas sur ce canapé et on se lève pour découvrir un nouveau critère de recherche. Une cuisine ouverte, aménagée, équipée, donc ça c'est ce que vous vouliez aussi. Elle est nickel cette cuisine, mais il manque un plan de travail. Ils peuvent facilement ajouter un retour pour délimiter l'espace cuisine. Et hop!
Non, très bien, ouais, la cuisine. Voilà, elle est plutôt moderne. Super. Vous pouvez fouiller, hein, regarder un petit peu aussi du rangement. La grandeur, voilà, des rangements. Derrière toi, Stéphanie. Je rajouterai quelques éléments pour voilà, avoir c'est un ça, petit peu pour plus avoir de la place. De rangement, mais ouais, non, c'est très bien. Puis c'est ouvert, c'est surtout c'est ça ouvert. Que je souhaitais, ouais. Petit salon, petite cuisine. Il n'y a pas d'espace. Oui, mais assez pour les critères de Stéphanie et Clément. Pour l'instant, t'as tout. Ok, tant mieux. Voilà. Moi, j'ai vraiment pensé à l'urgence. Il n'y a rien à faire ici. Ils prennent leurs valises, ils les posent et puis c'est tout. Ah non, c'est pas tout, car reste à découvrir la partie nuit avec cette première chambre. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Ah, c'est un beau volume. La pièce, elle fait 10 mètres carrés. Très bien. Donc on valide la première chambre. Bon, on relève la tête pour découvrir la deuxième chambre. Et cette fois-ci, on a directement le placard. Placard super sympa. Jolie chambre avec placard. Si Clément et Stéphanie veulent gagner encore un peu plus de place, il suffit juste de remplacer les portes battantes par des portes coulissantes. C'est au niveau chargé. De l'urgence, en plus, on a vraiment juste à mettre nos on meubles. On pose ses valises et c'est tout. Ah ouais, c'est génial. Marie remplit les critères un par un, sans chute ni de mauvaise vague. Espérons que tous ses efforts ne tombent pas à l'eau avec la suite. Vous avez vu le meuble vasque et les toilettes sont suspendues. Pour faire le ménage, en dessous, boum, boum, pratique et plus beau. La salle de bain. La salle de bain. Ouais. Avec une douche, voilà. Mais la douche est très très grande, donc c'est avec très des positif. Jets dans la douche, en plus, voilà. Super douche. Là, je commence à perdre confiance, là, Julien. Non, mais non. Génial. Rien à dire. On va voir la suite ? Et bon, on va. Vas-y. Pas de doute, le couple adore cette maison. Mais il faut maintenant passer de l'adoration à la projection. Bon, le jardin, c'est surtout une bande de sable, mais vous savez que les asperges et les carottes, ça pousse dans le sable. Oui, c'est dingue. Bon, du coup, pour du potager, pour potagerner, eh ben Stéphanie, c'est top. Ah, oh. La terrasse exposée sud. C'est canon. Non mais c'est génial, là, le barbecue là, la table ici, les potes, c'est ça, le super. Soleil, l'été. Le sable en plus, tu vois, on l'a ramené de la plage exprès. Qui est jusque là. Top, avec la terrasse qui surplombe tout le jardin, génial. Ah bah là, Eclipse, elle a ce qu'il faut pour m'embader. Ouais, c'est vraiment bien au niveau du terrain. Bien joué Marie, qui n'a pas éclipsé un critère important, Eclipse, le chien de Stéphanie et Clément. C'est parfait, tous les critères sont réunis, sont remplis. Vraiment, Stéphanie, tous les critères ? Sans faute, un petit bémol, le garage. Voilà, première boulette. Je vous réserve une toute petite dernière surprise. Encore ? J'adore les surprises. Spécialement pour tes planches. J'adore ça. Je m'inquiète pas pour le garage. Je pense pas que ce soit rédhibitoire. Donc on a une petite cabane pour tout votre matos de plage. Les planches, voilà. Ok. On a du rangement. Eh ben super. Il y a un petit peu de ménage à faire, hein, les araignées, moi, c'est pas trop mon truc. Non, mais c'est cool comme ça, oui, on peut mettre... Ou éventuellement les outils de jardinage. Surtout du rangement pour les bords, là. Ça fait un rangement supplémentaire, donc c'est pratique. J'ai rien à redire, perfect.
Incroyable, Marie a réussi l'exploit de remplacer le garage par une cabane. Bien joué quand même, Marie. Ouais, bon, allez, bon. Bien joué, Marie. Allez, avant de crier victoire pour Marie, il est temps de découvrir le prix de cette maison de 50 mètres carrés. Pour rappel, Stéphanie et Clément ont un budget de 195 000 euros. Alors, cette maison que vous aimez tant est au prix de 209 900 euros. On respire. On respire. Le prix 14 000 euros, 900 au-dessus du budget. Et pour moi, ça semble encore trop cher. Et en plus, il manque de la superficie, un bureau, enfin tout, quoi. À savoir que ce prix est négociable. D'accord. Clairement au-dessus de notre budget. On attend de voir ce que Marie peut négocier. Je vous laisse avec ma collègue. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Très bien. À tout à l'heure. Et c'est maintenant au tour d'Emmanuel de présenter son bien. Emmanuel a 36 ans, dont 14 ans d'expérience dans l'immobilier. Salut, Fou. Salut, Manu. Cela fait 6 ans qu'elle dirige sa propre agence exclusivement féminine. Ce sont nos drôles de dames. Et on est plutôt fun, belle, jeune. Ça fait rêver, non? Mais attention, derrière ces drôles de dames se cachent beaucoup d'efficacité et d'implication. C'est un travail passionnant et moi j'aime beaucoup le contact. Votre maison est toujours en vente? Oui. Je suis accro du relationnel. Et pour ses clients, elle est prête à tout. Je suis quelqu'un de tenace, je lâche rien. Tant que je n'ai pas trouvé le bonheur des gens, je les lâche pas. À plus tard. Au revoir. Les filles, j'ai vendu. Non. Sympa le petit cri de joie, Emmanuel. Quand j'ai une vente, j'ai un petit cri de guerre. Wouh. Pendant 2 semaines, Emmanuel a travaillé dans l'urgence pour trouver un bien de rêve pour Stéphanie et Clément. À tout de suite. J'ai trouvé la maison pour Stéphanie et Clément, au-delà de leurs espérances. Là, c'est la maison de leurs rêves. Je pense qu'ils vont adorer ma maison, puisqu'il n'y a aucun travaux. Je leur propose une maison clé en main. C'est dans cette maison de 100 mètres carrés que va se dérouler le Festival du Bonheur. Wow. C'est trop beau. C'est sublime. Wow, wow, wow. Pour être sûr de remporter le point aujourd'hui, Emmanuel se transforme en marchande de rêves. Très beau, ouais. Superbe. Canon. C'est pas possible, ça s'arrête jamais. Le conte de fées va-t-il devenir réalité? Vraiment le coup de cœur. C'est le bonheur, quoi. Bonjour. Bonjour. Enchantée, moi c'est Emmanuel. Stéphanie, enchantée. Bonjour. Clément. Ça a été? Très bien. Très bien. Bon, j'espère que ça ira encore mieux. Moi aussi. C'est parti? C'est parti. Prenez place vers le long voyage. Sur la commune de Sannel. Ça doit te parler, Clément? Oui, ça me parle, ouais. Tu dois y aller assez souvent. Pas très loin du spot de kite. On est un petit peu loin de la mer, quand même. Oui, mais bon, pour lui, c'est positif. Et même plus que positif pour les clients. C'est parfait, ça rentre dans nos critères et dans la localisation qu'on avait choisie, donc c'est très bien. Impeccable. Donc la maison, c'est celle-ci. Carrément neuve cette maison. Et puis elle a l'air grande. C'est un peu dommage que le mur d'enceinte ne soit pas terminé. Super. Donc c'est une maison récente. Ah ouais, ouais. Elle est très récente, ouais. Ils ont l'air contents en tout cas. Ça a l'air très très grand, donc on a hâte de rentrer. Alors on y va. Et on bah, y va, on te suit. L'urgence de Stéphanie et Clément aujourd'hui est de trouver un bien plus grand. Alors le rêve va-t-il se concrétiser? Il était une fois. Il était une fois. Ça c'est commence le début bien, de l'histoire. Ça commence bien. Il était une fois leur chez eux, c'est sûr. Je
Ce double séjour est superbe, le parquet presque blanc apporte de la luminosité et augmente encore plus la notion d'espace. Pour moi, parfait. Double pouce. J'aime trop. Wow. C'est trop beau. Wow, wow, wow. Ah ouais! Nous entrons sur la pièce à vivre. Allez-y. C'est immense. Vraiment le coup de cœur. Bon, ils sont déjà conquis. Ils adorent mon séjour salon. C'est canon. Donc, la pièce à vivre fait 40 mètres carrés. C'est pas mal, hein? Ah bah, on l'adore. Mais en fait, le salon Marie, c'est la surface de ta maison. Oh, t'es dur. Vous voyez avec vos amis? Avec votre chien? Oui, complètement. En plus, c'est aménagé comme on... un peu dans notre style, pour le coup, dans le moderne, tout ça. C'est ce qu'on voulait. Des grands espaces, tout ouvert, la cuisine. Bien cuisiné. Waouh, la cuisine, les meubles bordeaux laqués, c'est pas mal. Un peu démodé, c'est-à-dire il y a 3 ans, mais on a quand même une implantation en parallèle. Il faut garder un passage d'environ 1,50 m pour pouvoir circuler à deux. La cuisine ouverte, c'est lumineux, c'est trop top. Ah ouais. C'est... waouh. Alors waouh, si on traduit, ça veut dire quoi? C'est le bonheur, quoi. Ça commence très, très bien, là. Je pense qu'ils vont y rester. Pour longtemps. En tout cas, pour ce couple dans l'urgence de trouver plus grand, voilà un bel espace de vie où ils ne seront pas l'un sur l'autre. Et ce n'est pas terminé. Hop, on passe du salon au jardin. Il est parfait ce jardin. Les claustras en bois pour fermer un jardin, c'est aussi une bonne solution et c'est moins cher qu'un mur. Donc nous sommes au niveau exposition sud-ouest. Excellent. Pas de vis-à-vis, le chien il peut gambader comme il veut là. Ouais, on peut tout jouer est avec. Clôturé pour le chien. Excellent. Ah non, mais vraiment bien. Le jardin il est en bord de route. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas un camion qui passe. C'est parfait, vraiment très bien. Bon. Emmanuel avance dans sa visite, surfant de compliment en compliment. Bref, pour les clients, ça farte. Vraiment top, hein, tout ce que tu nous montres. Bon, parfait. Aujourd'hui, je suis la meilleure des agents. Ah oui, et pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais gagner. Ah là, elle est confiante, Emmanuel. Bah, elle peut, hein, vu le smile. Oui, mais on ne s'endort pas sur ses lauriers et on continue de faire rêver ses clients avec la partie nuit et cette première chambre de 13 mètres carrés. Elle est grande. Très beau, ouais. Superbe. C'est top. La concurrence n'a pas fini de soupirer avec une... deuxième chambre. De 10 mètres carrés. C'est très bien, moi je vois comment on peut aménager le truc. C'est très bien. Ouais, je kiffe bien, moi. Ah, elle marque beaucoup de points, Emmanuel. Franchement, c'est bien pour Emmanuel qui leur présente maintenant cette troisième chambre de 15 mètres carrés. Canon. Le sol en cisale, c'est une sorte de jonc de mer. Ça doit impérativement être collé. Sinon, ça gondole tout le temps. Et moi, les gondoles, ça me donne envie. Ça me donne le mal de mer. La chambre des parents.
Donc tu te vois déjà en tant que parent, quoi. Donc trois chambres. Bah oui, ça y est. Pas encore de petit rider, d'abord la maison. Pour l'instant, nous, c'est urgence, faut qu'on déménage parce qu'on n'a pas assez d'espace. Faut pas s'emballer trop vite pour la suite. Une urgence à la fois, n'est-ce pas, Stéphanie? Ah bah là, oui, là, enfin... Alors, la chambre? Sur plus de 15 mètres carrés. Trop top. Ça, des vraiment. Chiens. Quand on est super content, on fait quoi, Clément? Ce qui veut dire en langage surfeur, yeah, grand kiff de folie. Pour le moment, Emmanuel réalise un sans faute. La porte coulissant. C'est parfait quand il n'y a pas assez de place pour une porte battante, baignoire, massante et doux, double, double, va. Oh. Ouais, superbe. Très bien, très moderne, elle a l'air très fonctionnelle. Non, j'adore, enfin, il y a de l'espace. Encore un bon point. Ouais, en fait, on peut rien dire, quoi. Ouais. Alors vous, non, mais les clients peut-être, car après tout, ce sont eux qui achètent. Bah, t'as peut-être quelque chose d'autre à nous montrer. Allez-y. Mais là, je leur réserve une petite surprise. Garage pour mettre tout le matos de surf. Vous savez que 70% des Français ne mettent jamais leur voiture dans leur garage. On se demande pourquoi on vend des garages, non? Oh bien. Je vous propose deux garages. Deux garages. Oh. Là, le vous croyez au Père Noël? I wanna be loved with inspiration. On est mal. Je peux stocker les bornes, on peut mettre paddle, ah les oui. Wakes. Là, on peut tout faire là. Le van, même la voiture si on veut. Oh, je suis comme un enfant dans un magasin de jouets. C'est mon cadeau quoi. Non, on peut monter. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas encore tout vu. Non. Non mais... Trop bien. C'est un truc de ouf. Ah mais là c'est génial. Non mais là c'est génial quoi. Ah, c'est pas possible, ça s'arrête jamais. Ah, un petit coin pour bricoler là. Il y a de l'espace hein. Mais c'est génial. Ça laisse de la place le pour mettre tout ton matériel. Être là, les ailes, tout, mais tout. Alors là Clément, il est... au sky. Tu remplis les critères haut la main. Je crois que c'est fini pour nous aujourd'hui. Mm. Bon. Je te fais la bise, on se dit à demain. Ouais. Allez. À demain. À demain. Ah ben non, faut rester car tout peut se jouer maintenant avec le prix de cette maison de 100 mètres carrés. Rappelons que notre couple d'amoureux a un budget de 195 000 euros. Alors, Stéphanie, Clément, je vous la propose au prix de... Tu me fais peur. 220 000 euros. D'accord. On est encore dans la course, dis donc. Allez. Le prix est 25 000 euros au-dessus de leur budget. Ça veut dire que ça va être compliqué car pour moi, le prix est bon. La maison est récente et donc ça va être difficile à négocier. Mais on sait jamais. Avec négociation possible. D'accord. J'espère vraiment qu'Emmanuel ait une marge de négociation. Parce que là, c'est la douche froide. Bon, eh bien écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de nous revoir tout à l'heure. On compte sur toi. Merci. Et c'est Julien qui termine cette quatrième journée de compétition normande. Julien, 30 ans, travaille depuis 5 ans dans l'immobilier. Salut. Salut Julien, ça va? Ça va et toi? Hein? Indépendant depuis 2 ans, c'est dans cet établissement, pas comme les autres, qu'il a établi ses quartiers. Cette liberté est importante pour moi, car je travaille selon mes convictions. Je travaille où je veux et quand je veux. Je suis heureux, c'est une passion ce métier. Du coup, j'essaie de le véhiculer aux autres et ça fonctionne. Je crois que je suis un agent cool et funky. Yeah. Et comme tout passionné, Julien n'a pas de limite dans son métier.
je mange IMO, je dors IMO, je rêve IMO. Super. Dans ce métier, j'aime le contact, j'aime le plaisir, j'aime vraiment voir les gens heureux, j'aime parler avec eux. J'aime que les choses aillent vite également. Yes, super. Et ça tombe bien car pendant 2 semaines, Julien a travaillé dans l'urgence pour trouver le bien idéal pour Stéphanie et Clément. Stéphanie, Clément, je vais vous faire voyager dans le temps, mais je crois beaucoup au potentiel de cette maison. Stéphanie et Clément vivent dans l'urgence. C'est pourquoi, avec moi, aujourd'hui, je vais leur proposer une véritable maison. Dernière visite de la journée à Dives-sur-Mer, dans cette maison de 100 mètres carrés d'un autre temps. Bon, on est d'accord, je vous invite chez mamie. Ah oui, là, on repart en 1950. Ah là, je t'avouerai que j'ai du mal à me projeter, là. Ok. S'il veut remporter le point aujourd'hui, Julien n'a pas le choix. Il va devoir dépoussiérer sa visite. J'aime beaucoup, par contre, l'ambiance qu'il y a dans cette pièce. Alléluia. Alors, comment Julien va-t-il faire pour que les clients du jour oublient le passé et se projettent dans le futur? La caverne d'Ali Baba. Mmh. Très bonne surprise. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Julien. Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bon. Alors, savez-vous où on se trouve? Oui, à Dives-sur-Mer. Voilà. Donc, qui est non loin de Cabourg, notamment, et non loin de la plage. Après, j'aurais aimé être un petit peu plus près de la mer. D'accord. Ah, yes! Je sens moyennement chaud. Le défi est maintenant clair. Prouver à nos fans de glisse qu'il faudra certes prendre la voiture pour rentrer de la plage, mais qu'une fois rentrés, ils ne voudront plus en partir. Voici la façade de la maison. La façade est très belle, mais la mitoyenneté, c'est pas toujours évident. En tout cas, faut savoir qu'une maison mitoyenne est beaucoup moins chère qu'une maison individuelle. Et le Français rêve toujours de sa maison individuelle. Ça veut dire qu'il fait le tour de sa maison? C'est plutôt pas mal, la façade. Ouais. Cette façade moderne, on l'a bien aimé. Ouais. Avec, sur le côté, du coup, un garage. D'accord. Donc, l'idéal pour les sports nautiques, voilà. pour le rangement, hyper important. C'est hyper important. C'est même hyper essentiel, car l'urgence de notre couple aujourd'hui est de trouver une maison plus grande avec garage pour pouvoir ranger toutes les planches de surf. Et on va avoir également le jardin. Ah, c'est que ça, le jardin? On est bien, nous, on est bien. Pour Eclipse, notre chien, c'est un petit peu petit, le jardin, parce que c'est quand même un golden retriever. Notre agent a pour l'instant du mal à surfer sur la vague de la projection. Mais pas de panique, c'est à l'intérieur qu'il a prévu d'éclabousser la concurrence. Oula. Stéphanie et Clément avaient envie de moderne, et ben là, c'est pas le cas. Mais bon, il y a une grande entrée avec ce placard, c'est déjà pas mal. C'est vintage, hein? Ah oui, c'est retour vers le futur, là. Ah oui, là, on repart en 1950, direction noir et blanc. Nom de Zeus, Marty, mais en quelle année sommes-nous? Bon, on est d'accord, je vous invite chez mamie. D'accord. Et bon, c'est vieux. On est d'accord aussi, on n'achète pas une décoration. Non, c'est sûr. Double défi donc, convaincre nos clients de s'éloigner de la mer et de se projeter dans un endroit qui sent bon la naphtaline. Donc, on va découvrir la première pièce. La cuisine est assez étriquée, limite peut-être impraticable. On peut peut-être abattre un mur pour la rendre ouverte. Enfin, faut voir la suite, hein. La cuisine. Donc, qui est en L, c'est ça? Qui est en L, je vous en prie, allez-y. Ouais, mais elle est pas ouverte, là, ta cuisine, Julien. Vous m'avez demandé une cuisine ouverte?
Ouais, elle est pas ouverte là. Je vous propose, moi. Petit peu confiné là. Je vous propose une cuisine fermée. D'accord. Encore une prise de risque. C'est bien, non? C'est bien. Bah oui, ça commence à faire beaucoup là. Moi, personnellement, je me sens un petit peu allée trop. C'est quand même petit. Pour moi, elle est pas fonctionnelle. Par exemple, là, on est en train de faire cuire quelque chose. Ouais. Le four, les plaques, l'évier est à l'autre bout. Pas de bol, Julien. Là, tu es tombé sur des cuistots. Décidément, Julien joue avec le feu aujourd'hui. Ok. Il est maintenant urgent de secouer nos amateurs de sensations fortes. Voici. Mazette, on est chez Tante Madeleine. Bon, la déco, c'est pas ça l'important, en fait. On regarde maintenant le potentiel. Et là, il est là. On enlève les meubles, on pose un parquet et hop, 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 ça peut faire quelque chose de top. Voici la salle à manger. Ah là, je t'avouerai que j'ai du mal à me projeter, là. C'est vrai ? Je fais pas abstraction de la décoration. Déco, mais en moins, avec moi, pas besoin de prendre, voilà, pas besoin de prendre un ticket, je vous emmène directement dans les années 50. Ah oui, là, je vous fais voyager. Regardez, c'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. Ah ben, ça tue. J'aime le vintage. oui, l'avantage, c'est qu'il y a du volume, quoi. On sent qu'il y a du volume. Et ça, on peut faire quelque chose avec ça. C'est pas trop grand, mais c'est pas trop petit non plus. Et non, on est sur des beaux volumes quand même au niveau du séjour, oui. Un vent nouveau souffle sur cette visite. C'est le moment de hisser la voile de la projection. Je vous propose de taper sur ce mur-là. Ah. C'était celui de la cuisine ? Exactement. D'accord. Pour le coup, là, ça ferait vraiment cuisine ouverte donnant sur le séjour. Et voilà. Là, effectivement, oui, j'arrive à me projeter. Ah, là, voilà, ça me donne le sourire. Ah, là, je suis... Là, ça me redonne le sourire, quoi. Ça y est, ils arrivent enfin à voir le volume des pièces et enfin à se projeter. Les travaux pour se projeter, c'est bien. On passe à la suite ? Ouais, super. Ouais, mais il ne faut pas oublier que pour Stéphanie et Clément, aujourd'hui, il y a... Urgence ! Car ils cherchent plus grand pour mieux vivre à deux. Qui bloque un petit peu. Donc une salle de bain. Observatrice. Une petite salle de bain. Une petite salle de bain, donc une salle de douche. Et ben on reste dans le même thème, hein, très vintage, très ancien. Oui mais bon, si on fait abstraction de la déco, on en pense quoi de cette pièce ? Pour une salle de bain, pour moi c'est trop petit. Ouais. On passe à la suite ? C'est parti. On passe à la suite. Là, Julien, il va falloir rassurer notre jeune couple avec la partie nuit et cette première chambre de 12 mètres carrés. On est toujours dans le thème. Dans la chambre de mamie. Il faut tout mettre au goût du jour. Et si vous ne savez pas faire et que vous savez peut-être faire des tartes à la pomme, vous pouvez échanger des services entre particuliers. Oui, c'est vrai. Une part de tarte contre un coup de peinture. Ah, hormis ça, la chambre, elle est assez grande. Ah, merci Stéphanie. Donc c'est bien. Bon, ce n'est pas encore super, on déménage de suite, mais peut-être y arrivera-t-il avec cette deuxième chambre. Au niveau du volume, moi ça me plaît, ouais. Oui, les deux chambres, ce qu'il y a à faire de toute façon, c'est un coup de propre, c'est de la déco. C'est vraiment du rafraîchissement. Bien joué, Julien. Nos amoureux vous remercient. Je vous en prie, ouvrez la porte. Et on retourne dans le passé. Moi, ce papier peint, il me plaît bien. Et ce style devient à la mode. En revanche, aujourd'hui, on fait qu'un seul mur en papier peint et le reste en peinture. C'est ça, la mode en ce moment. Ah, une troisième chambre ou possibilité d'un bureau. Par contre, c'est super. Exactement. J'aime beaucoup, par contre, l'ambiance qu'il y a dans cette pièce. C'est mignon. Ah, là, il marque un point.
Ah oui, clairement. Là, c'est une belle pièce. Hein. Donc là, on arrive à répondre aux critères. Ouais, oui. Bah ouais, là, tu nous mets une chambre de plus ou un, ouais, ou un bureau, comme on avait dit. Je suis content. Et là, je vous propose de me suivre. Allez, c'est parti. Alors, puisqu'ils aiment les surprises, Julien leur en a réservé une dernière avec... Pièce mystère ? Oui, alors en roulement de tambour, on a mieux. Mode suspense. La caverne d'Ali Baba. Et c'est parti. Une deuxième pièce de vie et qui donne sur le jardin en plus. Moi, si j'ai un conseil à leur donner, je ferai un super salon d'été là. Ah ouais, c'est canon. On est bien. Ah, ça j'aime beaucoup, ouais. J'aime bien le volume, la luminosité, j'adore. Accès direct dehors. Elle est sympa cette pièce, mais bon, ils achètent pas une pièce, ils achètent une maison. Et là, est-ce que vous arrivez à vous projeter on est avec les terrasses à l'extérieur? Ouais, très très bien. Avec Eclipse? Petite terrasse avec Eclipse, ça, non, vraiment, c'est cool, cette petite vue-là, c'est pas mal. Cette pièce, elle rattrape les travaux, même si on les oublie pas. Pour moi, c'était la bonne surprise, quoi. Ouais, très bonne surprise. L'urgence de Stéphanie et Clément, trouver un nid d'amour plus grand au plus vite pour que leur couple dure. Donc voilà. Alors reste à savoir si le prix de cette maison de 100 mètres carrés leur permettra d'emménager rapidement. Pour rappel, Stéphanie et Clément ont un budget de 195 000 euros. Et le prix de cette maison est de 199 000 euros. D'accord. Aïe, là c'est la douche froide. Bien évidemment. Je ne vous aurais pas présenté cette maison si celle-ci n'était pas négociable. D'accord. Donc maintenant, il faut qu'on négocie. Je vous laisse réfléchir et je vous dis à tout à l'heure. Très bien. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On est à 4000 euros au-dessus de leur budget. Attention quand même, il y a quelques travaux à faire, donc ça va monter la note. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette quatrième journée de compétition à Caen. Merci à vous trois pour cette journée. Vraiment, on a vu de très belles choses. Stéphanie et Clément vont révéler quel bien ils ont préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera un point. Mieux, si les clients ont eu un coup de cœur et font une offre d'achat qui est acceptée, l'agent remportera 3 points. Pour rappel, avec Marie, Stéphanie et Clément ont d'abord visité une maison de 50 mètres carrés près de la plage et située à Merville-Franceville-Plage. On est exactement 200 mètres de la maison. Les clients ont été tout de suite emballés par le côté moderne du bien. C'est tout neuf. C'est ça. On peut poser les valises et se caler dans le canapé. Le tout pour 209 900 euros. Ensuite, Emmanuel a proposé une maison de 100 mètres carrés à Salnel. C'est parfait. Une visite sans faute, répondant à l'urgence du couple. C'est très bien, moi je vois comment on peut aménager le truc. Oh, je kiffe bien. Moi. Tu remplis les critères haut la main. Le tout pour 220 000 euros. Pour finir, Stéphanie et Clément ont visité avec Julien une maison de 100 mètres carrés située à Dives-sur-Mer. Si la décoration de la maison a quelque peu refroidi nos clients... C'est vieux. Stéphanie et Clément ont tout de même vu le vrai potentiel de ce bien en s'y projetant. J'aime beaucoup par contre l'ambiance qu'il y a dans cette pièce, c'est mignon. Le prix de ce bien, 199 000 euros. Mon pronostic, la maison d'Emmanuel est certainement ce qui convient la mieux à Stéphanie et Clément. J'espère qu'ils vont peut-être faire une offre. Et sans surprise, Stéphanie et Clément choisissent le bien de... Emmanuel. Emmanuel marque un point. On va déjà faire une contre-visite et pourquoi pas une offre. Très heureuse que Stéphanie et Clément aient fait ce choix. C'est la maison qu'il leur faut. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Le couple va-t-il faire une offre d'achat qui permettrait à Emmanuel de marquer 3 points?
Après avoir fait une contre-visite, Stéphanie et Clément ont décidé de faire une offre. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Malgré un budget initial de 195 000 euros, le couple a consulté un courtier en immobilier qui a réévalué leur budget, ce qui leur a permis de faire une proposition à 215 000 euros, soit 5 000 euros en dessous du prix de vente de la maison. On se sent super excité, en même temps on est un petit peu anxieux et on attend la réponse avec impatience. Je vous ai proposé une maison à 220 000 euros. Vous m'avez fait une proposition généreuse à 215 000 euros. Je suis consciente que vous avez fait un gros effort. Moi, je me suis battue. Vous n'étiez pas les seuls acquéreurs sur le coup. J'ai vraiment, vraiment fait mon maximum pour vous obtenir la maison. Et je suis désolée. Elle est à vous! Oh. Tu m'as vu. Félicitations! C'est horrible. Bah pour le coup j'ai vraiment cru qu'on l'aurait pas eu et donc c'est top. Elle est toute tremblante et tout. Merci vraiment à toi. Ouais. Elle va tomber. Ah ouais, moi c'était j'ai dit qu'on allait la perdre, je n'osais pas la regarder. Emmanuel remporte donc 3 points. Au terme de cette quatrième journée de compétition à Caen, Emmanuel est en tête avec 3 points, suivi de Marie avec 2 points et Julien ferme la marche avec 1 point. Ce sont donc Emmanuel et Marie qui s'affronteront lors de la finale. À demain!